Invité de l'émission Chez Jordan ce vendredi 17 mars, Dominique Lagrousse-Samper a évoqué les raisons de son départ de TF1. L'occasion pour elle de répondre aux rumeurs qui affirment qu'elle aurait quitté la chaîne à cause de Marie-Sophie Lacaro. Ces dernières années ont été éprouvantes pour Dominique Lagrousse-Samper. Après avoir dû faire le deuil de son mari Claude Samper, décédé des suites d'un cancer en 2019, la journaliste a vécu la perte de Jean-Pierre Pernaut, avec qui elle a travaillé pendant 20 ans pour le journal de 13h de TF1. En 2021, la mère de deux enfants a annoncé son départ de la première chaîne seulement quelques mois après l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro aux commandes du JT. De quoi intriguer bon nombre de téléspectateurs, qui se sont demandé si l'arrivée de l'une avait pu provoquer le départ de l'autre. Une question à laquelle Dominique Lagrousse-Samper a répondu ce vendredi 17 mars dans l'émission Chez Jordan sur C8. Dominique Lagrousse-Samper écartée du 13h de TF1 par Marie-Sophie Lacaro? J'ai passé 20 ans formidables, 20 ans qui ont fait que je suis devenue la professionnelle que je suis. Notamment grâce à Jean-Pierre qui a eu du pif. Après, Marie-Sophie a été choisie par la chaîne pour remplacer Jean-Pierre et dans les premiers temps, je n'étais plus très heureuse à TF1, a expliqué Dominique Lagrousse-Samper quand Jordan Deluxe lui a demandé si Marie-Sophie Lacaro l'avait poussée vers la sortie. Et de préciser au sujet de son départ de la chaîne, je ne prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais parce que j'avais envie d'autres challenges. Je suis une personne qui aime les challenges. Avec Jean-Pierre j'en ai eu tous les jours, on a fait des choses différentes tous les jours. Et d'un seul coup je n'en avais plus. On ne me proposait plus grand chose. Dominique Lagrousse-Samper aurait aimé succéder à Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT 2 ans plus tard, Dominique Lagrousse-Samper ne regrette pas du tout d'avoir quitté TF1. Quand on est plus heureux quelque part, il faut prendre ses responsabilités et aller trouver le bonheur ailleurs, donc c'est ce que j'ai fait, a confié la journaliste, avant de révéler qu'elle aurait aimé être choisie pour prendre la succession de Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT. J'aurais adoré présenter le 13h de Jean-Pierre, prendre la suite, a-t-elle déclaré, précisant qu'elle avait fait part de sa volonté de prendre les commandes du journal à la chaîne. Mais ce n'était pas d'actualité, a-t-elle déploré. À lire aussi nos retrouvailles seront belles, c'est promis, Dominique Lagrousse-Samper, qui a quitté TF1 en 2021, fait une belle annonce.